On a tous vu ici que sur la convocation, c'était le nom de Aya Robert qui était sorti. Et lorsque le nom de Aya Robert était sorti, on a vu les zombies vociférer. Tu veux passer, ma belle? Non, t'inquiète. On a vu les zombies vociférer toutes parce qu'ils étaient en joie du fait que c'était le nom de Aya Robert seul qui était sorti, puisque c'est elle seule qui avait la plainte. D'accord? Et après plus d'analyse, on a vu que Aya Robert actuellement c'est une maman. Elle a un tout petit bébé et sa soeur Emmanuel Keïta, en tant qu'une personne française, en tant qu'une personne qui a déjà eu un enfant, elle a réfléchi, après mille réflexions, elle s'est dit, mais attends, si jamais cette histoire va retourner encore au tribunal, quand cette histoire va retourner au tribunal et que Aya Robert sera obligée encore de courir de tribunal en tribunal, de un, c'est de l'argent qu'elle va faire sortir et de l'énergie, parce qu'il faudra qu'elle fasse garder son bébé, parce qu'elle passe sauter son enfant dans le prochain, sur le rendez-vous est éloigné. Donc, en tant que maman, je réfléchis et je laisse tomber pour ma soeur Aya Robert. Mais apparemment, les gens n'ont pas compris le sens de laisser tomber de EK. Les gens ont pensé que c'est parce que EK avait peur. C'est parce que EK avait peur qu'elle a retiré sa plainte. Ou c'est parce que EK n'avait pas d'argument qu'elle a retiré sa plainte. C'est ce que les gens ont mis dans leur cerveau. Parce que je vois des gens en train de vociférer ces derniers temps, depuis hier, en train de faire des lives en un point fini, des lives qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de tête. Des lives où eux-mêmes ils se retrouvent. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas le sujet et ils aboient comme des chiennes et des chiens en chaleur. Parce que c'est leur travail sur les réseaux sociaux. D'accord? Je tiens à vous préciser. La plainte n'a pas été laissée parce qu'ils ont peur de vous ou parce que vous avez des tribunaux. Alors, ils sont obligés d'annuler. Mais ne pensez pas que c'est vous qui êtes les intellectuels d'Internet. Les intellectuels d'Internet. Ils vont me taguer dans vos lives de merde. Là. Quand vous faites vos lives ici, là, moi, je vous ai déjà tagué dans mes lives. Non. Je parle et j'avance. Vous n'êtes pas obligé de me taguer dans votre coin. Restez dans votre coin là-bas. Faites vos lives, insultez quand vous pouvez insulter, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me taguez plus jamais dans vos lives de bêtes là. Vous êtes libre de vous exprimer. Moi, libérez mon dossier. J'espère qu'on se fait comprendre. J'espère qu'on s'est comprise. Apportez le lait, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, famille. Mettez les cœurs, c'est que je le dirais, je ne vois pas les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs et je ne vois pas les partages. Il faut partager, il faut tapoter le direct. Merci. Donc, comme je vous expliquais, je vois des gens sortir sur la toile, commencer à gesticuler, d'autres sont venus des avocats, qui sont des pays, l'article 2, c'est-à-dire qu'à l'article 3, il faut manger un peu de feuilles de manioc pour que l'article 5 soit... C'est-à-dire que chacun explique ce qu'il a envie d'expliquer. Chacun ment à ses abonnés comme il a envie qu'on l'écoute. Vous les zombies qui êtes à côté, qui êtes en train de vociférer, crier, je vois une lame et je me demande si elle me met dehors. D'ailleurs, quand on finit de faire un direct, Nathalie soit vient décortiquer. Quand on finit de se moucher, Nathalie vient décortiquer. Si on finit de péter, Nathalie vient décortiquer. Parce qu'elle, là, apparemment, quand moi je vous regarde, vous savez ce que vous me faites faire. Vous me faites faire une prière. Parce que vous avez besoin de prière. Parce que pour mon enfant, pour ma famille. Et venez m'asseoir sur la vie de quelqu'un. Le temps que je m'assois sur sa vie, cette minute, et pouvoir communiquer à mon fils, il va me dire ce qu'il a besoin et comment est-ce que je vais me battre de mes 10 doigts. Mais vous, vous êtes assis chez vous à la maison, vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas d'avenir, vous allez avoir seulement que des souvenirs. Et il y a d'autres personnes qui viennent te provoquer. Après, quand tu as parlé, ils vont non, ils ont insulté mon enfant, ils ont insulté ma maman, ils ont insulté mes ancêtres. Pourtant, comme vous avez provoqué les gens, vous ne partez pas demander permission à vos avocats, à vos tribunaux, pour dire que, ah, vraiment, aujourd'hui là, je vais insulter telle personne, et monsieur le juge. Si jamais la personne veut me porter plainte, il ne faut pas te plaindre. C'est moi-même qui ai commencé à insulter. Vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça du tout. Et c'est décevant pour vous. De toutes les façons, commentez ce que vous voulez. Moi, je suis habitué. Mais vous me connaissez, moi, rien n'est. Ça me glisse sur le corps. Vous le savez. Vous faites ça. Vous voulez qu'on vous regarde. Vous voulez qu'on se souvienne de vous. C'est tout. Vous voulez qu'on se souvienne de vous. C'est tout. D'accord? Donc là, cette histoire de EK là, et Aya Robert, moi je dis merci à EK d'avoir silencié à sa soeur. Attendez. Ah, à quel moment je vais finir de penser à tout ça là? Et puis venir m'asseoir sur la vie de quelqu'un. Si ce n'est pas vous qui pouvez créer tout ça. C'est avec vous, on va tout voir. Elle a retiré sa plainte. Elle dit, ah ma chérie, merci d'avoir retiré ta plainte avec tes soeurs. Vous avez nous trouvé défaut dans ça encore pour dire que oui, c'est parce qu'elle n'a pas d'argument. Oui, c'est mamie. Oui, c'est l'auto. Oui, c'est Baoui. Oui, c'est Nina Kouadoui. Au lieu de venir la soutenir pour dire, ah ma soeur, vraiment, tu as laissé la plainte contre tes soeurs, c'est important. Mais quand vous êtes des zombies,
Vous êtes des aide-moi à détester. Vous êtes des vampires et vous trouvez que c'est moi, je suis aide-moi à détester. Et que moi, je suis dans mon blog, tourne autour de EK. Quels sont EK? N'est pas le sujet. Oui, je n'ai pas le sujet. Je fais comme vous. Parce qu'apparemment, EK est en train de nourrir toutes vos familles. Donc nous aussi, on venait pas nous nourrir. Parce que, ah, quand tu parles d'elle, on te calcule. Donc nous tous là, le nouveau système, on va parler de EK. Comme ça, nous aussi, on va avoir de la mesure. Parce que ce n'est pas vous seulement qui allez bouffer son argent. Donc nous aussi, on profite de son nom pour devenir multimilliardaire. Après son nom, là, ça donne l'argent. Donc où je suis là? Comment il a parlé d'elle? Il me voyait dans les archives. Il est retourné dans son passé. Depuis, elle était petite. Je vais venir parler de ça, il a gagné l'argent. Parce que vous parlez de vous avez l'argent. Donc vous n'allez pas nous empêcher aussi d'avoir l'argent comme vous. Donc laissez-nous faire nos bérets. Dans la paix du Seigneur, on fait nos bérets, on gagne l'argent. Tranquille. Parce que vous nous faites la sorcellerie, vous êtes riches. Vous l'incitez matin du soir, mais vous gagnez l'argent sur elle. Moi, je ne vais pas l'inciter. Il a dit que, depuis que, avec le talent que tu as, si tu arrives à Abidjan, et que tu te mets dans l'audiovisuel, parce que tu es quelqu'un qui a le savoir parler, tu sais t'exprimer, tu n'es pas comme nous ici, le français est difficile, mais on force le destin. Et que toi, là, ça sort comme ça sort. Donc si tu vas, même que tu travailles sur une petite chaîne télé, ou même si c'est une petite chaîne radio, même là, tu vas t'en sortir. Elle est écoutée. Est-ce que dans les critiques, dans les clashs, là, tu avais le beau et le vrai, elle a pu retirer le bon. Elle a pu l'appliquer. Aujourd'hui, là, elle est dans sa petite émission. Mais vous êtes passé votre temps à bricoter. C'est quoi? C'est quel clash qui finit pas? C'est quel dégât qui finit pas? Elle a fait son petit magasin. Vous dites que les trucs qu'elle vend, c'est chinois. Vous êtes venu décortiquer. Entre toi, mais tu vantes, voilà ton ventre là. On dirait qu'ils vendent des chameaux. Mais tu dis que toi, tu vantes. Que t'es là, ça rend ventre plat. Pourtant, toi, mais ton ventre là, c'est difficile de vendre ta conscience des pirisoires de Baoulé, numéro 76. Mais tu dis que toi, tu vantes. Elle dit, en vente de vente, là, toi, mais tu viens pas attacher ton ventre, mais tu viens nous montrer ton ventre qui est lourd devant toi, comme ça, on dirait Gary qu'ils ont mis dans l'eau, bien gonflé devant toi, tu dis que tu ventes. Sur les stations là pour décortiquer ton commerce du maître que tu fais, c'est bien. Mais on sait que tu cherches ton tapis, Jojo. Même si tu mens aux gens, c'est toi qui vois. Mais ne venez pas salir ce que vos amis mangent. Ne venez pas mettre du sable dans la chéquette de vos amis. Mettez les cœurs, famille, je ne vois pas de cœur. C'est que je le direct, mettez les cœurs, famille, s'il vous plaît. De mille offres. On ne parle pas trop. Tu vois. Elles ont fait gros pour signaler émission de EK. Quand tu ne travailles pas, ce n'est pas bon. Hein? En tout cas, je vous présente le salon. Voilà, ici.